Eh bien, je vous présente cette nouvelle rubrique d'écran local au cœur du Languedoc-Roussillon, depuis Narbonne, exactement sous les platanes du palais du jardin des archevêques. Le jardin du palais des archevêques est quelque chose de très agréable pour s'y promener l'été, pour aller voir le cloître puis la cathédrale. Mais je vais vous parler surtout des platanes. Les platanes, ils sont là depuis longtemps, et ce qu'ils ont de bien, ces platanes, c'est qu'ils ont une écorce. Et qu'avec cette écorce, quand on est gamin, on aime bien découper des petits personnages. J'ai appris dernièrement, en me documentant un peu, que beaucoup de nos platanes étaient malades. Et je ne savais pas d'où venait cette maladie. Je l'ai appris, évidemment, en tapant sur Google, recherche. Et j'ai trouvé que la maladie des platanes était venue par les Américains qui nous livraient, après la guerre, des caisses de toutes sortes de marchandises. Et dans ces caisses, effectivement, le bois avait une maladie qui a été transmise aux platanes. Voilà pourquoi certaines de nos platanes sont malades. Plus gai, le platane bien vivant, ici, avec tout son feuillage, nous aide à passer les chaleurs de l'été, les canicules, et je vous recommande soit de venir ici, à Narbonne, au palais, au jardin du palais des archevêques, soit dans un café, à l'ombre des platanes, de siroter un petit pastis ou un verre de vin d'ici, attention, avec modération. Et, comme le dirait Épicure, à la prochaine fois, si les galactons, les petits galactons et les fourmis qui montent sur le platane ne m'ont pas galacté.